Maman, enfin, truc. Ouais, chose. Regarde cette vidéo. C'est une évidence. Je suis trouvée ma voix. Je suis une lampe. Et non, je suis pas. Les paroles de la lampe. Oh, oh. Pourquoi il y a une lampe? Bah, c'est moi. Mais t'es pas une lampe. Oui, mais plus pour longtemps. Oh merde, oh, j'aurais pas dû t'emmener à Ikea. La chaise, puis la lampe. Demain, ce sera quoi, le rideau? Tu comprends pas la complexité de la réflexion de ma pensée intérieure. Mais c'est une putain de lampe. Y a pas de réflexion dans une lampe. La lampe illumine le monde de sa beauté, de son élégance, de sa fraîcheur. Comme moi, quoi. Mais tu pues, ok? Pourtant, tu ne veux pas devenir une vieille chaussette, mais réfléchis. Et toi, t'as de la moustache, pourtant t'es pas portugaise. Brouhaha, haha. Très drôle, mais où va la jeunesse? Pas chez toi en tout cas, tu fais peur. Mais tais-toi, tu veux devenir une vieille lampe. Tu comprends pas, si je deviens une lampe connectée, je pourrais être proche de la nature. Le vent dans mes cheveux, hop, je m'éteins. Hop, je me rallume, hop, je me rééteins. Hop, je me reallume. Est-ce que t'es au courant que tu es épileptique? Bah je serai une lampe sans lumière. Tu t'écoutes quand tu parles? T'es raciste? Tu discrimines les lampes avec un handicap, c'est ça? Tu sais, c'est pas parce que je suis une lampe sans lumière que j'éclaire moins que les autres. J'éclaire juste sans éclairage.